nous sommes un orchestre amateur, composé majoritairement d'étudiants, de toutes études possibles, donc que ce soit de musicologie ou même autre, médecine, architecture, biologie, ce genre de choses. Étudiants français et aussi des Erasmus. Nous jouons différents répertoires de musique, donc majoritairement de la musique classique et des musiques de film. Et donc on se produit à travers toute la Lorraine tout au long de l'année, avec comme climax, on va dire, de cette année, notre concert à la salle Poirel de Nancy. Je suis le chef d'orchestre ou le directeur musical. Mon rôle, c'est de diriger les répétitions, diriger l'orchestre pendant les concerts et surtout de choisir un programme musical tout au long de l'année. Gounod, s'il vous plaît. J'aimerais juste qu'on fasse AB, juste pour que je vois comment ça donne dans la salle un peu. Voir si on entend trop les... Par rapport aux cordes, voir si juste on entend les cordes. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut être là tous les mardis soirs, 2 heures, pour diriger au moins 80 musiciens. On est là pour être une sorte de coordinateur. On est le tempo, les gens nous suivent, on choisit si on accélère, si on fait les nuances, tout ça. En gros, on est le fil rouge de l'orchestre. Sans chef d'orchestre, on ne pourrait pas jouer de la musique avec autant de précision. Tous les ans, le bureau change et surtout le chef change, ce qui est une particularité de l'OSU, parce que la plupart des chefs d'orchestre universitaires sont des semi-pros. Pour devenir chef à l'OSU, il faut juste être motivé et se présenter à l'Assemblée Générale. Peu importe le niveau ou les études que l'on fait, moi je fais de la musique dans ma vie, mais on n'est pas du tout obligé de faire de la direction d'orchestre pour pouvoir diriger cet orchestre-là. Moi, l'année dernière, je jouais dans cet orchestre. Je ne pensais pas du tout le diriger quand je suis rentré, mais je me retrouve à diriger plus de 80 musiciens en concert maintenant. Ce soir à Épinal, eh bien, je suis très heureux d'être venu écouter à nouveau l'OSUL, qui a changé de nom. À l'époque, c'était l'orchestre de l'INPL, l'Institut National Polytechnique de Lorraine. Ce qui m'a fait vraiment, vraiment plaisir ce soir, c'est de voir tous ces nouveaux musiciens qui ont plein d'enthousiasme. À chaque fois que j'ai la chance de revoir l'orchestre, il y a toujours cette énergie, cet enthousiasme. Et puis, ça me fait immensément plaisir de voir que des tas d'étudiants continuent à jouer de la musique, reprennent leur instrument en parallèle à leurs études, et ça c'est vraiment super. Donc un immense bravo à toute l'équipe, à tous ces musiciens, à leur chef, leur présidente, à toute l'énergie qui est là. Donc bravo et surtout continuez.